Bonjour à tous et à toutes les amis pour une nouvelle vidéo de Tanguy Junior. Alors ce n'est pas Tanguy qui parle bien sûr, mais je vous montre ici, comme vous pouvez le voir, mon village de Clash of Clans. Qu'est-ce que tu veux que je présente, Tanguy? Les combats. Les combats, très bien. Donc vous voyez, j'ai ma première caserne noire, je suis content. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ma petite ellipse, le temps que que mes troupes sont prêtes. À tout de suite. Re tout le monde, alors voilà, je voulais juste vous montrer une petite méthode pour quand vous attaquez avec des sapeurs pour casser les remparts. Quand vous avez des petits remparts de trop, prenez un rempart et mettez-en un un peu partout. Bon, je n'ai pas pu en mettre énormément partout. Comme ça, quand par exemple quelqu'un met un sapeur, ils vont attaquer d'abord les remparts qui ne servent pas à protéger les défenses. Donc du coup, ça va protéger les défenses, tout simplement. C'était juste pour dire ça. En même temps, qu'est-ce que je pourrais expliquer? Expliquer, pardon. Petit conseil, quand vous n'êtes pas très fort en défense aussi, mettez-vous en mode farm. Voilà, en mode farm, et protégez surtout vos ressources quand vous voulez économiser les ressources et non les trophées. Voilà, tout simplement. Excusez-moi pour. Voilà, ensuite, tout à l'heure, nous allons peut-être vous montrer le village de Tanguy. Il est dans mon clan, bien sûr. Nous allons regarder sa vidéo, comment on l'a attaqué. Parce que... Au début, ils ont anéanti son roi des barbares. Ensuite, vous voyez, ils ont mis un sapeur ici, c'est-à-dire un casse-brique. Par contre, leur défaut à eux, ils ont tout mis leurs ressources, enfin leurs attaques ici. Et ça, c'était l'une des méthodes que je voulais vous montrer. Regardez, ils posent encore des sapeurs. Alors la méthode que je voulais vous montrer, c'est de ne pas poser tout au même endroit, sinon les mortiers, par exemple, ou les tours de sorcier vont attaquer du coup tout au même endroit et ça va attaquer toutes les troupes en même temps du coup. Même si sur les géants, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. À part les géants, les barbares, archers, il faut les mettre quand même un peu éparpillés. Voilà. Donc je te laisse parler maintenant, Tanguy, pour l'instant. Vas-y, parle. Laisse regarder la fin. Dans les commentaires, demandez à Tanguy si vous voulez des vidéos de Minecraft, car moi je suis un joueur de Minecraft. Si vous me croisez sur Ascensia, c'est-à-dire funcraft.fr ou n'importe quoi, mon pseudo est Mr. Cheese. M majuscule et après tout le reste en minuscule RTIZ. Si vous me rencontrez, parlez-moi en message privé et on pourra peut-être faire sur Skype alliance ensemble. Voilà. C'est leur sujet, mais. Voilà, c'est juste pour prévenir. Voilà la fin de la vidéo. Et juste un dernier. Re-petite ellipse, le temps que mes troupes sont prêtes pour le combat. À tout de suite. Et re-re tout le monde! Donc voilà, hein, mes troupes sont bientôt prêtes, comme vous pouvez le voir. Ah non, il manque 20 troupes. Bon, c'est pas grave, pour l'instant on va faire autre chose, je vais vous présenter le clan, tout simplement. Alors, déjà vous pouvez constater mon élixir, si vous voyez bien, ici. Voilà, si vous voyez mal, je vous le cite. C'est 992 400... 467, presque 1 million. Bon, peut-être pour les gens qui sont forts à Clash of Clans, d'accord, c'est nul. Mais pour moi, c'est cool, c'est
quand même bien. C'est pas un truc de fou, mais c'est bien. Et je vis ma... Merde ! Je vais bientôt avoir, excusez-moi pour mon gros mot, je vais bientôt avoir la caserne noire. Il faut deux, hein, juste pour préciser. Et Tanguy, il est encore niveau 1, le pauvre. Mes mortiers sont niveau... Ah ouais, je peux... Dès que je pourrai, je vais en améliorer un niveau 5, comme Tanguy. Moi, je vais avoir ma deuxième tour de sorcier niveau 3, pas comme Tanguy. Lui, on a une niveau 2, niveau 3, ce noob, hein. C'est un petit loubi, franchement. Je rigole. Il est fort parce que il a quand même des trucs que moi, j'ai pas, comme des remparts niveau 7. Il a une défense entière à niveau 3 et 4. Ce qui est bien. Il a un mortier niveau 5. Et... Excusez-moi. Et voilà. Donc, c'est quand même... Il a le roi des barbares aussi. Il a le roi des barbares. J'ai oublié de le dire. Donc voilà, je suis prêt pour le combat. Bientôt. Bientôt, excusez-moi, je suis tout. Je pense à une blague qui m'avait fait Tanguy il n'y a pas longtemps. Voilà. Si vous entendez du bruit derrière, hein, c'est pas des trucs bizarres, hein, n'inquiétez pas. Voilà. Donc on y est presque. Donc bientôt on va faire un Harlem Shake. Voilà, juste pour information. C'est on va le putain. Excusez-moi. Juste un Harlem Shake qu'on va le faire là tout à l'heure après cette vidéo. Nous allons aussi faire une vidéo de Minecraft. Si la clé USB de Wi-Fi marche. Échec. Merde. Pour l'instant, Tanguy, je te laisse parler hein, parce que. À part, n'est-ce pas tes impôts. Voilà quoi. Donc, on avait dit qu'on présenterait le clan. Si vous voyez pas, c'est pas grave. Donc, je suis niveau 56. On n'est pas 56. Non, moi je suis niveau 56. Ah, t'es nul hein. S'il est nul, hein, vous inquiétez pas. Hein, je regarde. Ah, le combat va commencer, les amis. Alors, la petite méthode, tout simplement. Bon, excusez-moi pour la qualité de l'image. Enfin, excusez-nous plutôt si la qualité de l'image n'est pas terrible. Mais voilà. Alors, non, lui, on va pas l'attaquer. Il y a presque rien à gagner en ressources. C'est de la daube. Il me faut surtout de l'élixir. Genre, je vise au moins 100 000 élixirs, quoi. Gagner minimum. Parce que là. Donc, mais on va faire peut-être une petite ellipse le temps qu'on trouve. Non, fallait pas tout de suite. Excusez-moi. Bon, re-ellipse. Tanguy a fait une gaffe. Re tout le monde, donc voilà. Bon, ce n'est pas grave si je perds. Ah bah en plus, il est en mode farm comme il m'a dit Tanguy. Je n'ai pas capté en fait ce qu'il m'avait dit. Alors l'attaque, bon bah en fait, là ça va pas vraiment être une méthode en fait. Puisque je ne vais pas vous montrer une méthode. Là, c'est surtout que j'attaque du mode farm. Bah, je me conseille juste, quand vous attaquez un mode farm, cherchez quelqu'un surtout qui a de l'élixir comme ça. Des trucs niveau 11. Bon, désolé si je ne parle, si je n'articule pas. Je vais y arriver. Donc, vous voyez, je éparpille un peu, pas trop. Voilà. Voilà, se font one shot, mes gobelins. Ah, tiens, mon élixir. C'est cool, ça. En plus, je vais gagner, c'est parfait. Voilà, je vais juste dépenser ça en archer. Ah, ou pas. Allez. Merde. Mince. Mon or augmente aussi, ce n'est pas grave. Hein. Non,
pourquoi ça attaque ça? Excusez-moi. Excusez-moi. Non. Pourquoi il n'y a pas des archers? Mais non, ça ne serait pas, putain. Oh. Les barbares. Non, je vais pas attaquer. Je crois que je vais me rendre parce que ça va rien de changer à ma vie. Excuse-moi! Donc voilà ce que j'ai gagné juste dans les mines. Bon, ce n'est pas un truc de malade, mais bon. Voilà. La prochaine attaque sera un full barbare. Et ouais. Donc, pour la prochaine vidéo, sûrement. Hein. Donc, allez. Salut tout le monde! Salut! À la prochaine! Au revoir!